En plein procès sur les assistants parlementaires, le RN a lancé hier sa campagne permanente à Nice. Oui, et il gêne ce procès, il agace au Rassemblement National. Benjamin Delmas a pu s'en rendre compte à Nice où les cadres du parti étaient réunis. Marine Le Pen n'a pas fait allusion au procès, c'est un choix. Ah bah je crois que les gens qui étaient là n'étaient pas là pour ça. Ah décidément, vous êtes acharnés vous. Hein. Il n'y a que ça qui vous intéresse, la France ça ne vous intéresse pas. Il n'y a pas de perte de temps supplémentaire avec une mascarade organisée par nos adversaires politiques. Une mascarade. Une mascarade totale et un mensonge, non pas d'État, mais un mensonge de européen. C'est un peu triste pour la démocratie, mais je suis sûr que Marine, nos amis seront innocentés. ORN, on ne veut donc pas parler du procès, mais plutôt de la campagne permanente, comme vous le disiez, Babette, lancée hier avec ce fameux meeting de Nice. Un slogan, jusqu'à la victoire. Hasta la victoria en espagnol, on dirait du Che Guevara. C'est vrai qu'en politique, les inspirations sont parfois surprenantes ou pas. Comme quand Bruno Retailleau pense que l'immigration n'est pas une chance. On a d'ailleurs soumis cette petite phrase du ministre de l'Intérieur aux militants RN. L'immigration n'est pas une chance. Bah, ça doit être Marine Le Pen, ça, non? Bruno Retailleau. Oui, bah c'est le nouveau ministre. Oui, mais bon, c'est pas parce qu'ils disent qu'ils font forcément. Bah, Marine ou un des. Voilà. C'est Bruno Retailleau. Oui. Il me semble que c'est notre camp, le Rassemblement National, oui, il me semble. C'est Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, d'accord. Plutôt Zemmour, je dirais. Je pense Zemmour. C'est Bruno Retailleau. Ah. Voilà, Bruno Retailleau qui serait quasiment trop extrême pour ses militantes RN. Même Marine Le Pen et Jordan Bardella ont voulu prendre leur distance avec Bruno Retailleau qui affirme, je vous le rappelle, que l'état de droit n'est pas intangible ni sacré. Je dois exprimer une divergence majeure avec notre ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. Ce n'est pas l'état de droit en tant que tel qui doit être contesté. C'est tout le contraire. L'état de droit, c'est aussi la possibilité de changer le droit dans l'état. Lorsque celui-ci dysfonctionne. Mais le RN peut quand même trouver des points de rapprochement avec Bruno Retailleau. Le député RN Laurent Jacobelli est même prêt à soutenir le ministre à l'Assemblée. Il aura fort à faire au sein de son propre camp. Mais nous l'aiderons finalement par nos votes parce que nous voulons vraiment aujourd'hui que les Français soient protégés de la submersion migratoire. Et je précise enfin qu'en plein procès des assistants parlementaires du RN, aujourd'hui, le Parlement européen épingle Jean-Marie Le Pen. Lui-même lui demande de rembourser 300 000 euros. Il a facturé, quand il était élu à Bruxelles, des cravates, des parapluies, balances de cuisine, des horloges de bureau, bracelets connectés, lunettes de réalité virtuelle, oui, et même 129 bouteilles de vin. Il va falloir qu'il rembourse. Est-ce un début de fronde? Des poids lourds du camp Macron font entendre leur dissonance sur les arbitrages budgétaires. Oui, y compris au sein du gouvernement. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, elle dit être vigilante sur les hausses de la fiscalité sur l'électricité à venir. Dans Les Échos, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur et qui était avant au budget, propose lui plutôt de supprimer un jour férié ou de mettre fin définitivement aux 35 heures pour rétablir l'équilibre budgétaire. Hier soir déjà, c'est l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui mettait en garde contre les hausses d'impôts. Ce qu'on veut, c'est proposer plutôt des réformes plutôt que charger trop la barque des impôts, ce qui risquerait de créer du chômage. Et il y a quand même un point positif de ces dernières années, c'est qu'on a le taux de chômage aujourd'hui le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Ne cassons pas cette machine-là et ne remettons pas des Français au chômage. Gabriel Attal et Gérald Darmanin, qui ont semblé d'ailleurs se rapprocher depuis leur retour, vous voyez, sur les bancs de l'Assemblée, plutôt complices l'un à côté de l'autre. Gabriel Attal, il est président aujourd'hui du groupe macroniste. J'ai besoin de lui, déclare le Premier ministre à la Tribune dimanche, Michel Barnier, qui dit avoir beaucoup d'estime pour Gabriel Attal, un élu de grande qualité selon lui. Ça, c'était avant que Gabriel Attal parle au JT de TF1. Le négociateur du Brexit doit éviter à tout prix une dislocation de sa fragile majorité relative. Le problème, c'est qu'il a des contraintes politiques, des contraintes économiques. Est-ce qu'il faut justement mettre fin aux 35 heures, comme le demande Gérald Darmanin? Est-ce que c'est une bonne idée? On a posé la question à l'économiste Éric Heyer. Lorsque vous avez une croissance qui tourne au ralenti, ce n'est pas le moment d'augmenter la durée du travail. Globalement, ce qu'on a appris depuis les crises, c'est qu'il faut réduire le temps de travail quand ça va mal. Et ensuite, on doit inciter, via les heures supplémentaires, à travailler plus lorsque on est dans une forte reprise économique. Et en temps normal, eh ben, on ne touche pas à la durée du travail. Ah, il n'est pas d'accord avec Gérald Darmanin. Emmanuel Macron, lui, garde ses distances. Il laisse pour l'instant, comme promis, le Premier ministre travailler. Le président qui a quand même participé à une vidéo un peu humoristique ce week-end, on pourrait croire qu'il commente la situation politique. Bah. Oh là là, oh là là. En fait, Emmanuel Macron, il a fait ce week-end une apparition surprise sur le compte d'Alex et Tom, un duo qui aide les anglo-saxons à apprendre le français avec des vidéos, par exemple, sur certaines absurdités, particularités de notre langue, comme les homonymes. Vert, vert,
Vert. 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 100. 100. 100. 100. Sens. Cours. 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 Et ils ont demandé donc à Emmanuel Macron de se prêter au jeu, ce qu'il a fait, regardez. How would you say a wall in French? Un mur. What about blackberry? Une mur. Then, how would you say ripe? Mur. To finish, what about to whisper? Murmurer. All of them into one sentence. How would you say a ripe blackberry whispers to the wall? Murmure, murmure au mur. Vidéo vue plus de 3 millions de fois dans la foulée du sommet de la francophonie. Pas sûr que ça contribue à bien faire comprendre le français aux anglophones, mais... Ouais, c'est d'accord. Là, c'est le prof qui parle, je ne suis pas complètement, complètement emballé. De l'utilité pédagogique. Imaginez pour finir si Zinedine Zidane avait joué dans le même club que son fils Enzo. Oui, bah, c'est l'équivalent de ce qui s'est produit la nuit dernière au basket américain. Il y a 17 ans, LeBron James, regardez, postait cette photo à côté de son fils de 3 ans. 20 ans après, c'est celle, la photo d'en dessous. Ils ont joué la nuit dernière dans le même club des Los Angeles Lakers. LeBron James, il a aujourd'hui 40 ans. Il est encore au top. Son fils, Bronny James Jr., il fêtait hier ses 20 ans. Alors, il y a quand même une grande différence de niveau. Hein. Le papa, hier, il a mis 19 points, 5 rebonds, 4 passes. Il est toujours au top. Le fiston, en revanche, 0 points et surtout 4 pertes de balles. Ça veut dire que l'adversaire lui a piqué la balle 4 fois. Il a encore du chemin à faire pour ressembler à son papa. C'est affreux. Oui, il aurait peut-être mieux fait de ne pas jouer à côté de son père.